Le borage, pas la vapeuse, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Elle sort un peu tard, je sais, comme notre fin de la Ligue des Champions, mais je sais que vous êtes toujours là. Alors, soyez avec moi. Bref, on va tout de suite voir les compositions d'équipe. Match Angers-Lyon, 2-1, score final. Voilà, on regarde les compos. Pour Lyon, Anthony Lopez, Raphaël, Denayer, Marcelo, qui est capitaine ce soir, Marçal, Aouar, Ferry, Ndombele, Touzard, Dembélé et Traoré. Voilà, le reste ne vous intéresse pas trop, vous y verrez de manière, il s'affiche, je me sens rare en tout petit, donc vous les y verrez. Donc maintenant on va voir le fil du match et on va parler un peu tout ce qui est sportif dans ce match. Donc on va commencer, 5ème minute, Lyon va concéder beaucoup d'occasions, ce qui n'est pas normal, c'est plutôt eux qui provoquent beaucoup d'occasions et qui les ratent. Là c'est Angers qui rate les occasions, 5ème minute, qui appelle dans la profondeur. L'Angevin frappe, parade de Lopez qui a fait ce soir un très grand match, enfin hier, bon, je tourne la vidéo, homme du match pour moi ce soir. Après 10ème minute, corner, tête de Borken, ça finit sur le poteau. On va continuer avec une volée Angevin et l'arrêt de Lopez, et on n'aura eu qu'un seul tir en première période pour Lyon, enfin un d'avoir, mais c'est une passe quoi qu'il a fait, il n'y a rien, c'est pas un tir, il n'a pas assez de force. Une frappe de Ndombele qui aurait bien pu finir au fond, mais voilà, elle n'est pas finie. Donc Lyon joue pas. Et pour conclure cette première période, un carton rouge, oui, pour Ismaël Traoré, totalement logique, ça mérite 3 matchs de suspension et pour lui casser la cheville. Car moi je dis bien casser la cheville, voilà, donc, ou même le tibia. Et on va voir la deuxième période avec quelques locaux, je ne veux pas. Superbe avec un but à la 73e minute, un cafouillage et Memphis en retrait pour avoir but de l'Olympique Lyonnais. Il va avoir un deuxième but signé Memphis, puis une réduction du score juste après, 2-3 minutes après. On va avoir 10 minutes de folie en fin de match, mais un match au début avec du spectacle bien mis par les Angevins et Lyon qui n'y a pas joué. Donc le match était vraiment une purge, comme si vous allez au shot faire caca. Voilà, bref, c'était ça. Parce que je suis désolé, c'était pas un beau match à voir comparé à un Saint-Étienne-Nîmes que j'ai regardé l'autre soir vendredi. C'était un super match comparé à ça. Donc on va tout de suite voir les tops et les flops. Alors, qui ne pas mettre Lopez, bien évidemment, top de ce match, homme du match. On pourrait mettre Memphis aussi, un but, une passe D. Mais il a sorti plusieurs arrêts. J'ai pas pu regarder combien d'arrêts très exactement, mais il en a sorti pas mal. Heureusement que l'OL là, pour moi c'est un des meilleurs gardiens du monde en ce moment, rien à dire. Même les grands gardiens qu'on a connus comme les David De Gea, les Manuel Neuer nous déçoit. Alors lui il nous déçoit pas, il y a juste un problème, c'est ses dégagements. Deuxième top, je vais mettre Memphis, oui, un but, une passe D, il fait une super entrée en jeu. Ça lui a peut-être fait du bien de rester sur le banc. C'est ça la seule punition que j'ai les yeux trouvés à chaque fois. Bizarrement, ça lui fait du bien. Donc, on va lui souhaiter de faire un grand match la semaine prochaine. Et puis après, il y a la Ligue des Champions face à Hoffenheim. Donc, voilà pour Memphis. Débail. On va mettre un côté Angevin qui a fait un très bon match, j'ai trouvé. C'est Chuck Ndoye. Bon, toujours 33 ans, mais toujours aussi vif. Très offensif, assez technique pour un milieu défensif, je trouve. C'est superbe. Je ne comprends pas pourquoi il a été s'expatrier en Angleterre au lieu de rester à Angers. Il a perdu du temps dans sa carrière. Pour les flops, je vais mettre Traoré. Alors, il rate des contrôles, il fait n'importe quoi. Il ne sait pas faire une passe, rien du tout. Alors, lui, c'est un gros flop. Il faut le dégager, il faut le virer de Lyon. Pourquoi Aulas a été nous acheter ça? Franchement, il marque des buts, mais c'est des buts d'oracle. Alors, dégage, casse-toi. Que je mette, c'est Marcelo. Ça fait 10 matchs au moins où il est nul à chier. Bon, ça n'a pas porté préjudice, il y a quand même une victoire lyonnaise, mais il est trop lent, il rate ses passes, ses relances, il fait n'importe quoi. Bref, c'est lui aussi, là, à dégager, allez, 31 balais, casse-toi, toi aussi, tu peux te barrer. Allez, prends la porte, là, tu vois, la porte, elle est là, tu prends la porte et tu dégages, c'est comme Traoré. Voilà. Là, en match, victoire de 1 de l'OL, très, très mauvais match, et puis on va se dire, Kichel Paddy, à la prochaine, et moi aussi, je prends la porte. Salut !